Je suis chez Abcross et il me montre son laptop Toshiba moisi. Oui, Toshiba horrible. Et en fait, avec des petites lunettes, j'ai vu ça sur Corben, avec des petites lunettes dans la con comme ça, que le filtre polarisant de l'écran que j'ai décollé, on peut faire quelque chose de plutôt pas mal. Alors, hop. Donc, il faut attendre que Ubuntu boot, que ce soit plus visible. Donc là, on voit le fond d'écran, c'est pas du glitch. Mais c'est énorme parce qu'en fait, l'écran, il est tout blanc. Bon, à part des côtés, on peut voir un petit peu, mais il faut vraiment forcer. Mais autrement, on met les lunettes et on peut voir à travers. C'est carrément... C'est carrément bien foutu. N'achetez jamais d'ordinateur HP, c'est trop de la merde. Pourquoi il fait bip ? Oui, parce que les ventilateurs sont très mauvais pour ce DV. Dès qu'on les rallume, ils se remettent à glitch, on va vous montrer. Voilà. Oh. Vous voyez, l'écran vient de clignoter. Voilà, donc je vais les arrêter. Normalement, si on a de la chance, ça devrait revenir, mais normalement, quand ça se met à clignoter, ça revient pas. Oh, aussi. Si, si. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment n'importe quoi. Donc là, il me dit que le pilote graphique a planté. C'est vraiment n'importe quoi. Quand les ventilateurs sont allumés, ça fait glitcher l'ordinateur. Oh, un phone. Alors on a trop lololé à boulanger, mais ça a pas marché, enfin le stylo a pas marché. C'est un truc dit extrême à chinois là, con. Et en gros, on a fait un CD comme ça dans une chaîne IFI. Et là on va retourner, c'est un premier à Carrefour, celui-là sur une belle chaîne IFI. Ça ressemble à ça. Je crois qu'ils ont arrêté. La 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 la. Une très mauvaise idée. Avec ses pubs. La la. Et ça reste allumé, bien sûr. Je peux pas tester, c'est de la qualité. C'est de quoi ça, je le prends, ça chaud. On essaye. Ouais, vas-y, au pire on redémarre. Oh. Il y a rien, il y avait Halo qui était mal gravé. Oh putain, il arrive à goûter. Thank you.